Je m'entête à pratiquer, faut toujours répéter. Bon, aujourd'hui, je vous montre comment faire pivoter une pièce de monnaie pour faire un pile ou face, comme dans les films. Je dois me discipliner pour pouvoir progresser. Mon moral sera testé, faut pas abandonner. L'échec peut me hanter. Bon, il arrive parfois qu'on veut déterminer une situation au hasard. Hein? On veut faire un pile ou face avec une pièce de monnaie. Bon, à chaque fois que je vois des gens qui lancent une pièce pour faire pile ou face, ils ont toujours de la difficulté à le faire correctement. Hein? Nous, les magiciens, on est des pros de l'attention aux détails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de vous le montrer là, hein, pour que ça soit parfait. Donc, vous prenez la pièce et là, bon, ça commence dans la main, un peu comme la culbute d'une pièce de monnaie. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir placer la pièce balancée sur votre index. Donc, l'index est légèrement recourbé comme ceci. Et là, la pièce de monnaie, elle est balancée sur notre index. Notre pouce va venir se placer sous l'index et on va exercer un petit peu de pression. Hein? C'est comme quand on veut claquer des doigts, exemple. Hein? Donc, je vais venir faire de la pression et là, tout ça va relâcher et va venir frapper la pièce vers le haut. Aussi simple que ça. Aussi, ce qui est chouette, c'est parce que notre ongle est présent, ça vient faire un petit son. Hein? Ça fait le « ting ». Ah, ça, c'est chouette. Donc, on lance ça, notre ongle vient faire le bruit, et puis là, par la suite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'attraper et vérifier si c'est pile ou face. On ne peut pas pratiquer éternellement. Après les efforts viennent les accomplissements. On ne devient pas un pro si facilement. Pour y arriver, j'ai travaillé durement. Maintenant que tout le monde est capable de faire un pile ou face parfait comme dans les films, face. Voilà. Écoutez, hein, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin, là, puis essayer de le faire là, dans les airs. Hein, rendez ça impressionnant maintenant que vous êtes des professionnels. Hein. Là, si vous avez réussi, prenez le temps de nous le dire dans les commentaires. Puis profitez-en pour aller vous inscrire, hein, pour avoir encore plus d'informations sur l'album du spectacle et d'autres surprises, évidemment. Puis n'oubliez pas, hein, à chaque fois que vous voyez quelque chose d'impressionnant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pratiqué. M'entraîner, m'exercer, mes efforts couronnés.